demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Sachant de qui tu les as apprises. Mais Paul Brun dit, de pour tes petits, ou te recevoir parole, l'évangile là, qui est capable d'amener ou à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est sorti tendé, c'est sorti élevé, c'est sorti instruit. Et c'est ça l'Éternel qui dit peuple Israël. Regardez-nous. Si nous nous dépipiti, enseignez nos paroles ça. Écris dans les topotou. Dis-le les au lever matin. Dis-le au bras en voyage. Dis-le au sorti. Les au rentrer. Que chaque jour, parole ça, on va suspendre. Enseignez si nous nous yori. Et c'est ça, Proverbe dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors, Paul dit Timothée, demeure dans les choses que tu as prises. Et nous, première chose là, c'est l'écriture. Première chose là, c'est enseignement. La Bible que nous devons recevoir. Paul m'a dit, nous pouvons rester là-dedans. Pour ne pas quitter l'évolution, faire nous changer, nous décoder, nous changer au sens. Souvent, il y a changé par là. Et malheureusement, pour là, toujours été salé là. Mais pour nous, restez la donne. Parce que il y a utile. Et ça dit, oui, verset 17, 16. Il va dire, toute écriture est inspirée de Dieu est utile. Utile pour enseigner, pour convaincre. Là, on a fini avec vieille bagaille, mal fagoté, crochu, vieille doctrine satanique et démoniaque. Ou bien la parole. Ou bien la parole pour convaincre. Parce que Satan a utilisé la parole pour le dernier monde. Mais bien, c'est la parole que Satan a utilisé pour te tenter Jésus. Il pourra le dire, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus pourra répondre, ni d'après ce que tu as dit dans la parole, l'homme ne vivra pas, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il pourra utiliser encore la parole pour le dire, mais tu es fils de Dieu. Tu peux te laisser tomber. Dieu ordonnera à ses anges de te saisir et tes pieds ne heurteront point une pierre. Libre sac dit dans Psaume 91, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus peut aller pour lui pour dire. Eh bien, il y écrit tout. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous avez besoin de rester l'enseignement côté recevoir. Mais nous disons que ce n'est pas seulement enseignement. Ce n'est pas seulement enseignement. Rester. Non, enseignement. Rester dans la conduite qui conforme à l'enseignement. Et pas qu'il y ait enseignement dans tête seulement, il y a une conduite qui conforme à l'enseignement. Parce que l'enseignement est bon comment vous comporter, il bon comment vous parler, il bon comment vous agir. Il y a tout dans l'attitude, s'il vous plaît, qui reste là dans le problème, dans le difficulté pour être ou pas parti. La même chose d'abord. Pour problème, parfois, dit ne pas doué dit. Ou problème parfois on fait ça on fait tout le monde mettre en tête. Restez dans les enseignements côté reçu. Mais nous ce n'est pas seulement des enseignements recevoir, recevoir des principes. Nous avons pile maintenant cité trois principes que tu as dû songer. Des principes de la hiérarchie, des principes de la responsabilité et des principes de l'engagement. Principe de la hiérarchie. Bon Dieu établit une loi hiérarchique dans tout ce qu'il a fait pour que les chefs, les gens qui en tête, les gens qui pour obéir, les gens qui pour soumettre. J'ai trouvé dans Exode,
chapitre 18, bon père Moïse à l'oué Moïse. Les jeunes Moïse a passé une journée après faire jugement pour le peuple. Une journée en passé, tout jugement pas qu'à faire. Le peuple a fatigué, Moïse fatigué, pas de satisfaction. J'ai trop dit Moïse, mais Moïse, ça fait comme ça. Il n'est pas bon. Ou fait le peuple souffrir, ou même on fait tout souffrir, et nous pas de satisfaction. Il dit, choisis. C'est Exode 18, verset 21. Il dit, choisis parmi nous des hommes intègres qui paraissent ménageants. Des hommes qui doivent, qui juste, qui ont un bon comportement, établis comme des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50. Et il y a jugé des bagailles petits, gros bagailles qui dépassent à côté de Baou, ou même moi j'ai jugé seulement, le peuple a besoin de satisfaction. Et Moïse te fait ça, le peuple a besoin de soulagement, Moïse te soulagé. Mais Paul Bral dit dans Romains chapitre 13, toute autorité est issue de Dieu. C'est bon Dieu qui établit toute autorité. Donc, principe de l'autorité, bon Dieu apprend nous pour qu'on ait des gens qui en tête. Des gens qui en bas, qui pour soumettre en bas, qui en tête. C'est son principe. Ou ajoute que papa, c'est chef Kala. Maman, il y a après papa. Ou ajoute que les mamans et papa là, premier petit là, l'aîné, et ça, le droit d'aînesse. L'aîné est responsable de la famille. Et si papa t'a mouru, maman t'a mouru, puis grand, il est obligé de quitter l'école, quitter l'autre bagage pour la dans son famille, parce que c'est lui qui l'aide. Bon Dieu établit un principe qui est le principe de la hiérarchie. Ou après l'école, là, mon directeur, ou après les professeurs, si on doit soumettre en bas, mon qui chef Yoa, c'est le principe de l'autorité. Rêter la dame, le jour révolte, mon Dieu met sous tes toits, ou en bas malédiction. Ou en bas malédiction. Demain, dans les choses que tu as prises. Mais, dans notre principe qui est lié avec tout, il y aurait le principe de la responsabilité. Lorsque vous apprenez que le monde qui est responsable, le monde qui est chef, il doit prendre soin de monde qui met en bas. Il doit servir, il doit utiliser, il doit prendre soin parce que il n'est pas chef pour l'exploiter, il est chef pour l'occuper de pour le prendre soin. Et ça ne font pas papa qui a abandonné petit pour le dire pas doué. Comment mon petit dit papa m'a besoin de tel bagage pour papa dit m'a besoin de tout. Bon grand bout tout. Si petit n'a pas grand bout, dégageons le travail pour le manger parce que c'est responsabilité. Ou on exige pour l'obéir, mais c'est pour qu'on ait que ça, on doit là pour balayer. Madame, nous voulons l'obéir, mais c'est pour dégager, pour le travail, pour prendre son madame. Non. C'est le principe de la responsabilité. Ou pas chef pour dominer, passer l'autre, mais vous chef pour prendre soin. Demeure dans les choses que tu as prises. Et principe d'engagement. Parole ou parole d'honneur. Et c'est ça. Et Paul dira que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Que votre parole soit oui, oui, non, non. De vous mettre ton bagage, c'est déjà là. De vous dire oui, mais ça est déjà là. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Principe ça, c'est ça que nous apprenons. Paul dit nous, rêtez la dame. Rêtez la dame. Rêtez la dame. Et dernier bagage, Paul te apprend nous des valeurs. Nous apprenons l'enseignement des valeurs. Nous allons aller loin, nous avons cité trois seulement, nous avons fait que citer seulement pour nous conclure. La vérité, valeur. Valeur morale. La vérité. On n'a pas besoin de s'inventer pour nous. La réponse est avant. Il y a un peu de monde qui pèse pour nous autres et il y a terre et il y a s'inventer. Parole nous, Jean ou se dit oui, oui, non, non. On n'a pas besoin de forcer nous pour nous. Pour nous. Principe de valeur, la vérité.
c'est pour nous dire la vérité à prochain nous Jean-Paul le grand. Dans toute conversation, dans toute parole, nous sommes seuls bagages pour nous gagner. Parole nous doit la vérité. Paul nous dit pour nous rester dans la valeur ça. Pour nous rester dans la valeur ça. Et ouais, en pile monde, nous arrivons dans une grande position. Les États-Unis font ça bien. Yo qui t'ont fait toutes sortes de bonnes impressions, yo prennent mentir là. Et puis yo prennent mensonge après ça, yo affiché dans l'écran télévision tout le monde. Mais on même qui te dit tel bagarre, vous n'êtes que menteur. Et après ça, personne ne va croire encore. Et valeur, vérité, valeur de justice. Ça qui est juste là, ça qui doit là, c'est le ouais, c'est le d'accord. C'est l'accepter et c'est le pro ou soulever, ou pro ou propulser, c'est le vendre, c'est le exhiber. La justice, pas gagner, c'est cette année. Avec mon Dieu avant. Petit pour là, des pieds pour là, les mecs font n'importe qui bagaille, c'est bien. Par l'autre là, même, et bien, pas bon. Principe de justice. Bon Dieu, mais nous chrétiens, les gens vivent, c'est pour nous rester dans le principe ça. C'est pour nous rester dans la valeur ça. Justice. Même si c'est madame, moi, mais si le bon bagage ne dit pas bon, eh bien c'est pour nous dire, chez vous, pas de dire ça. Si le gentil agit, elle pas bon. Madame, je connais que je ne peux pas accomplir. Petite, je connais que je ne peux pas accomplir. Zami, je connais que je ne peux pas accomplir. Mais si vous agissez mal, c'est pour nous agir mal. Parce que si je ne peux pas agir mal aujourd'hui, demain si je ne peux pas agir mal, même gens, et puis c'est la police qui va très tôt. Et depuis là, on dit, chérie, je n'agis pas mal. Et dernier principe, dernier valeur là, c'est valeur d'intégrité. Intégrité. Et l'éternel te dit, Satan, est-ce qu'on peut remarquer, serviteur Job, c'est un homme juste, intègre, et droit. Est-ce que je dis à mon Dieu car ouais on était dans valeur ça pour le faire compliment pour la faire louange pour le dire son nom intègre. C'est-à-dire l'argent pas dévié ou si on a fait à nous ou pas prendre 5 corps en plus avec mon Dieu avant. Si gagne un bagage ça mérite mon nom balil. Mon a travaillé avant, il fait 60 heures et puis on retire de la donne. Ou pas intègre. Mon Dieu voulait nous rester dans sa route à prendre, dans le principe, dans l'enseignement, dans la valeur morale pour nous intègre. Ou du moins, c'est où tu as noté le fait, ou arriver à 8h30, ou mettre tu arrives à 9h. Non. Ou tu arrives à 8h30, mettre tu arrives à 8h30. Mon Dieu voulait nous intégrer. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul t'a écrit à Timothée pendant la prison. Mais Paul dit Timothée, mes dépravations pour le gagner dans le monde. Mais comment les hommes pour aller? Mais il dit, c'est pas seulement dans le monde. Il dit, même dans l'église, des gens pour abandonner la foi. Tout. Mais il dit, vous-même, éloignez le monde, ça y est. Il dit, puisqu'on te suivre enseignement, moi, ou te suivre conduite, moi, ou te suivre toutes épreuves, moi, comment te résister là-dedans. Il dit, demeure dans les choses que tu as apprises. Parce que vous reconnaissez certaines. Et vous connaissez dans mes qui est-ce que tu apprends. Vous connaissez que toutes choses que tu apprends, c'est des enseignements de la Bible. C'est des principes. C'est des valeurs. Demeurer là-dedans. Et comme ça, apostasie, paquet et vaisseau. Et c'est conduite que chrétien doit gagner face à l'apostasie de ce dernier temps. Qu'il en soit merci pour vous.